Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième, épisode de Civilization 5 dans lequel on joue la France. Renard, et mon premier espion. On va le mettre en contre-espionnage, hein. Ah, quoique. On va le mettre en contre-espionnage. Avec quelques technologies très avancées. On va éviter de se les faire voler. Alors, Lyon, on va faire le... La tour penchée de Pizze. On va faire maintenant tout ce qui peut nous apporter de la culture. Culture, science, foi. Voilà, on fait un petit mélange de tout ça. Parce que là, j'en gagne pas beaucoup de la science. Hein. 116, c'est pas fameux. Hein. J'ai pas d'école publique, j'ai rien. J'ai un bras au moins. J'ai un beau petit château, enfin, un autre castel là-bas. Allez, faisons un autre petit château. Castel! C'est pas vrai, je peux y arriver. Tac, tac, on va faire un petit castel sur cette colline. Théâtre du Globe. Et on va vérifier quelque chose au niveau de... Ah, je sais plus où c'est. Chef d'œuvre, culture... Voilà. Ok, il n'y a pas grand chose. Il fallait faire un petit castel ici. Source de luxe égale castel. Ah, c'est vrai que j'avais pas encore développé de. Enfin, j'avais pas encore ma. Des épices. À Orléans d'ailleurs, je pourrais faire des bateaux ateliers, hein, ce serait même pas mal. Du poisson. Ouais, il me propose du cacao, pourquoi pas. Découvert philosophie, youhou. Ça me coûte combien? Ah bah je peux pas. Voilà. Ça c'est fait. On va faire épopée nationale ici. Ah, la petite bibliothèque à Marseille. On va leur apprendre à lire. Ce serait pas trop tard, hein, quand même. En 1335, je crois que je suis déjà dans la Renaissance en plus. Hein. Avec l'imprimerie, bon, ok. Après, pour le reste, c'est pas encore ça. Ce serait bien qu'on... Ouais. Je vais faire des bateaux aussi pour... Pour explorer le monde, peut-être pouvoir fonder le comment ça s'appelle, l'Organisation des Nations Unies, un truc comme ça d'ailleurs. Ouais, ok. Ça ne prend pas longtemps en plus si on compte les tours. Donc j'ai un castel là, un autre ici, je vais mettre un autre là-bas.
Ah oui, on va continuer la route. J'ai oublié que j'avais une ville à fonder ici. Ok, naissance d'un personnage illustre. Pardon, c'est mon prophète, celui que j'ai commandé, entre guillemets. Voilà, on va l'emmener à Babylone. Et au niveau d'Orléans, du coup, je vais acheter un trirème. Je vais explorer là, je vais avoir besoin d'explorer. C'est pas. Ça va pas très loin du tout. Hein. Ils ont des perles à Monaco, c'est bien ça. Et on va augmenter petit à petit notre science. C'est pas trop tôt. On a pas mal de bibliothèques derrière qui sont en cours de construction. Ah, ça me prend un tour la technologie, ça va vraiment rien du tout. On va l'aider à faire la route. Trirème qui n'avance pas beaucoup. Tu n'avances pas beaucoup comme mais. Ah oui, effectivement, si elle fait comme ça, elle va pas avancer des masses. Allez, monarchie, ça va m'augmenter le bonheur, moral, bonheur. Galéas. Ouais, ça m'intéresse pas plus que ça en soi maintenant. Architecture. Il faudrait que j'aille sur le Louvre. Allez, on va aller sur le Louvre. Ah, c'est stylé quand même. Ce serait bien de faire le Louvre à Paris. Épiscopalité. Le comte de Monaco, ça c'est cool. Hop, on propage. Voilà. Ah, c'est vrai que ça me rapporte de l'argent en plus. C'est juste parfait. Ok. Ah, là on voit qu'il y a de la banane. Hein. Faisons de la banane dans ce cas. Pas eux. Stockholm, ce qui n'a pas de religion, ça pourrait être intéressant là-bas non plus. Le petit déplacement qui casse tout, dommage. Est-ce que je peux faire explorer là le. Mes éclaireurs. Ouais. Allez, en route. Route mauvaise troupe, comme on dit.
Tac. Parfait. Ah merde. Ah zut. Je crois que c'était des ouvriers, je sais pas pourquoi. Ah ouais, je crois que j'étais persuadé que c'était des ouvriers. Ah bah là j'ai oublié de faire la route. Ah bah dis donc, c'est quoi ce tour pourri? C'est pas fameux, hein. Faisons un petit castel. Ok, là on a la case de poisson. Comment mon barbare a été découvert? Hop. C'est l'occasion d'aller s'en débarrasser. Voilà, on va y arriver. Qu'est-ce qu'il y a encore de la pression? Là non, c'est bien. Oui, finissons. Finissons la route. Ouais, on a découvert la boussole. On se perdra plus en pleine mer. Ah ouais, ils sont résistants, ces brutes, hein. 13 de dégâts quand même, hein. Hop là. Ah, intéressant. Bison. Encore rasé en plus, ça c'est parfait. Yololo. Ok, c'est bien, on découvre un peu les environs. Promotion d'immunité à Babylone, enfin l'immunité que je vais renvoyer à Babylone. Là je vais leur envoyer mon prophète. Comme ça tout le sud sera sous ma religion. Est-ce qu'il y a une bonne chose? Voilà, la route elle est terminée. Ah mince, j'ai déjà fait le pâturage. C'est pas grave. La fourrure, c'est bien ça. Donc on a fini le théâtre du globe. On va faire Boro Bu. Voilà, un peu Crusader. Le suprême bot. Les misérables. Là, on va quand même faire un petit champ. Les cervidés ici que je n'exploite même pas. Il y a plein de cases qui sont pas encore exploitées. Là, c'est comme là, il y a un énorme vide. Tout penché de Pise. Un ingénieur illustre. Ouais, on va faire des castels ici. Bureau du bur, allez. Ouais, comme ça ce sera fait. Ah, université publique, c'est pas mal. Alors, je vais juste voir quelque chose. Ouais, plus 50% de chance, c'est pas mal. Hop là. Alors, on développe pas trop pour l'instant tout ce qui est les greniers. On a que 19 de bonheur. Donc,
compris entre guillemets, bien évidemment, mais c'est pas tant que ça. Bon, du beurre. On va faire l'usine de sidérurgie. Nos missionnaires, on va les envoyer à Stockholm. Et à suivre. Et bah d'accord. Je sais pas. Il y a de la place encore apparemment. Oh oui, un castel dans la toundra, c'est bien ça. Alors. On va faire un castel là. Il est aussi en train d'explorer. Hein. D'ailleurs, en parlant d'exploration, je crois que je peux faire des galéas. Donc je vais acheter une galéas ici. Hein. Prophète illustre, voilà, Yololo. Et je vais acheter une autre galéas ici. Voilà, le but étant d'explorer au maximum les mers. Castel, ah, j'aurais pu attendre et le faire ici comme ça. Non, ça aurait rien changé, je peux en faire qu'un seul. Adjacent. Le cheval, c'est génial. Hop. Oh, ça va pas loin les galéas, ça. Ça va vraiment pas loin. Je pensais que ça va un pouille plus loin quand même. C'est plus amis avec Zanzibar, c'est pas loin. Petit castel. On va développer les alentours de Paris, hein, c'est ce qu'on va faire je pense. Là il doit y avoir une ville par là-bas. On va y emmener notre prophète. Université d'Oxford. Ici, c'est une université dans chacune de vos villes. Ah, voilà, ça va pas être. Ça va pas être ça encore. Oh, je peux faire des marchés et tout encore. Ah ouais. Là on est vraiment sur une phase de développement. Ah voilà, bah si que tu n'as. Avec 10 d'or mine de rien partout. Hein, pour... C'est pas mal du tout. Je disais direction si que tu n'as. Ah ouais, vraiment il y a une case quoi, vraiment pour dire. Eux ils vont bugger. Voilà, je les retire de ma utilisation parce que on va encore rien comprendre. Ah oui mais il y a des méchants. On part, on revient. Ah ils sont plus là. On revient, hop, on revient. Mais non. Oh mec, ça fait combien de temps là que tu... C'est abusé. Ah oui, puis en plus ça m'attaque sans vergogne. Hein, c'est... Oh là là. Oh là là. Honteux. Allez, yololo. Voilà, comme ça, Stockholm s'est converti. C'est très bien. Tu peux pas y aller, toi là-bas ? On prend un autre chemin. Ah, c'est loin, mine de rien. En vrai, je sais pas ce que c'est comme type de carte, mais.
Terre fondée, ouais. Ah, j'en ai assez que tu n'as plutôt du coup ce missionnaire. On peut voir que si tu n'as pas été converti, les missionnaires qui sont beaucoup moins forts, forcément, que les prophètes illustres. Très peu de cases de côte. Hein. Ok, ah, je suis deuxième alors à le découvrir, c'est fou ça. On va continuer à explorer en auto. Un peu de fer là-bas, c'est ça. Faudra attendre, faudra être patient pour ces cases là-bas. Automatique avec la foi. Ouais, donc c'est que j'ai acheté ma pagode, c'est bien. Là, il va y avoir trois châteaux, ça va être vraiment puissant. Trois castels, pardon. Castel, casto. C'est une très très bonne question. Ok. Âge d'or. Oh, c'est bon ça. Et on adopte entièrement la tradition, ce qui fait 15% de nourriture, un aqueduc dans 4 premières villes, on va acheter des ingénieurs illustres. Ok. Ouais, là, la nourriture, là, ça va aller vite. J'ai bien fait d'être patient. Hop, si tu n'as, on est bon. Une bonne pression religieuse. Zanzibar vous admire. Cool. Il y a Kafokia. Ah là-bas, il y a une autre ville. Je sais pas si je pourrais y arriver avant que mes prophètes soient totalement usés. Non exploité ici, c'est fou. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse une ville, même deux, une bonne ville quelque part. Ouais, non, deux villes plutôt. Ah, oh, ils sont déplacés vite, les missionnaires, pour une fois. Qui ah, deux adeptes. Ils étaient fatigués. Hein. Les pauvres, ils en avaient plein les pattes, je crois. Enfin, ouais, vas-y, c'est bon. Hop, et le dernier. Plus loin, plein de castels. Hein. C'est fou. Combien? 142, ah ouais, 142 par tour, c'est beaucoup. 157, ah oui, d'un coup, comme ça. Ouais, c'est sympa. Ah oui, parce que j'ai eu de la perle, c'est ça. Eh bien. Ouais, là, il y a un beau castel à faire sur la colline. On va faire l'Angorvat. Ça repart de la culture, c'est toujours bien. Hein. Ah, j'ai oublié qu'il fallait que je fasse un castel. Ça n'est pas grave. J'en ai partout, regardez. Et là, je sais pas si... C'est quoi, c'est...
Si on regarde au niveau culture, j'en ai partout, hein. C'est magnifique. Comptoirs commerciaux ici, ça changera. Des châteaux en plus des castels. Ah, j'ai vu qu'il y avait un campement barbare, mais trop tard. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il doit pas être far chez moi, je suppose. Ah, c'est la toundra, c'est pour ça que je peux pas faire de ferme, faire une scierie. Désolé, j'ai toujours des unités avec char. Singapour, ok. Ouais. Neutre, mais regardez, ils ont adopté leur votre religion de mon cœur. En vrai, c'est tout bénef. Hein. En plus, on explore pas trop mal les environs. Ah. C'est à nous, allez, allez. Pas falloir louper le coche cette fois, hein. Je t'en voudrais. Ok, masqué, très bien. Oh, Léon. Ouais, c'est pas beaucoup 30 par rapport à ce que ça me consomme maintenant. Parce que je dois avoir en production pour débloquer un bâtiment. C'est plus rentable de couper du bois. Faisons les châteaux, ça augmentera les défenses des villes au cas où. Et en plus, ça me coûte rien. Ça me coûte pas d'entretien. Et ça, c'est pas mal. On va sécher les marais là. Découvert gêne. Beaucoup de cité-état dans le coin. Ok, il n'y a qu'un soldat que je suis pas premier, ça me va. Ça évitera. J'évitera de payer trop d'entretien d'armée, ça me va. Hein. Pour le reste, je suis premier. Maintenant, il va falloir le rester. Vraiment cette petite case en plein milieu des montagnes, c'est stylé d'habiter un endroit comme ça. Les bateaux ateliers là, il y a du poisson. Pour 3 tours en plus. Je sais pas comment ça va me rapporter. Ah quand même, hein, pas mal de bouffe. Hein. C'est exploité plus un. 3, adopter une religion, c'est parfait. On va faire l'épopée héroïque. Alors, on va commencer en plus les universités dans certaines villes, comme Lyon.
On connaît tous l'université de Lyon. Enfin, non, pas du tout, perso. On devait en avoir. Hein. Je bosse quand même pour une ville de la taille de Lyon. Ok, on est bien au niveau techno. On est le premier, mais on voit qu'on est à égalité quand même. Enfin, évolution, je suppose que c'est ça. Hein. À moins que ce soit le nombre de villes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, non. Un d'or, un de nourriture. Pour un bateau. Sympa. On voit quand même que les villes au sud ont un certain retard de développement. Ok. Tour qui a aucune pression religieuse. Ouais, Marseille qui vient de changer de religion, c'est très bien. Pas mal de champs à Palenque. Je crois qu'il y a un moment où les cases de jungle nous donnent de la science. Au final, on est un petit peu loin. Tout petit peu. Allez, on va faire des champs quand même. Hop. Renard reçoit une promotion, c'est bien. Naturelle découverte pour le comte de Panama. Ah ouais. Bon, si tu le dis. Comment on va aborder quoi ? Espion se doit tuer. On va essayer de pardonner pour cette fois. Comme quoi, ça me sert. Esthétisme. Améliore l'efficacité avec laquelle votre civilisation génère de la culture. Bien évidemment qu'on va le faire. C'est la base, c'est la base pour notre condition de victoire. Enfin, pour la condition de victoire que je veux faire. Victoire culturelle. Ouais, je pardonne pour cette fois. Mais pas deux. Ouais, je veux de bonnes relations pour l'instant avec mes voisins. Avec mon voisin, parce que du coup, lui, il est sur sa petite île tranquille. Ah, je construis un castel dans un marais, c'est bien ça. Oui. Celui évitera peut-être de m'espionner. Qui sait? Du bonheur et tout, c'était trop bien. D'ailleurs, Paris qui produit 48 de culture. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas mal. On fait des champs. Il y avait beaucoup de marais dans cette région. Alors c'est bien quand on début de partie parce que ça te protège, parce que dans les marais tu peux te déplacer que d'une case par tour. Bon, ça devient très vite bah, inexploitable. Enfin si, exploitable, mais bah, chiant. Regardez tout ça. Et tout ça là pareil, c'était les marais. Quelle la truffe. Avec l'âme des baleines. Ouais. Je sais même pas où est-ce qu'il y en a les gars. Allez chercher, y a pas de problème. Hein. Je sais pas où ça se trouve. Hein.
63 deux fois par tour, 67 d'argent. Putain, j'ai presque plus de fois que d'argent, quoi. Presque autant. Pas ouf niveau science. Ouais, je pourrais faire des routes commerciales. Partant d'Orléans, je suppose, oui. À 3 tours quand même. Même une région. Ah d'accord, bah, je crois que c'était déjà fait. Ne relevons pas. Oh, ça y est, je peux exploiter le vin. Ah bah c'est déjà fait. Oh, je sais pas. D'accord, ouais, un développement rapide, on peut voir, hein, malgré l'augmentation du bonheur dans mes villes. Voir que mon bonheur général est en baisse, ça veut dire que le nombre d'habitants est en hausse. On va vérifier tout ça. Alors, j'ai une population de 10 millions. En 1600, c'est pas mal, hein. Une bonne population. Paris étant la première, forcément. 17, quoique il y en a qui sont pas loin, hein, au niveau nombre d'habitants. Paris 17, Lyon 13, Orléans 14, Tikal 14, c'est fou. Babylone 12, bon, c'est une capitale, hein. L'île des musiciens ici, ça sera bien. Ça s'appelle Sixtine, non, elle ira à Paris. Ah, dans un tour, je vais pouvoir faire de la construction. Petit comptoir commercial ici, voilà, il y a nos routes, hein, c'est pas gênant. Oh, les cités interdites et tout, en plus, ça, c'est bien. Ouais, mais non, il faut le mécénat. Ah, campement barbare découvert. On va vite y aller. Voilà, on emmène ce qu'il faut. T'as de la présence. Un petit coup de chapelle Sixtine ici. Un petit opéra. 156 de doctrine par tour, c'est vraiment pas mal. Ok, alors, du coup c'est vraiment très morcelé, hein. C'est une sorte d'archipel géant, je sais pas trop ce que c'est comme endroit. La map là. Ouais, c'est ça, c'est une sorte d'archipel géant, c'est bizarre. Bon. Hop, hop, et hop, voilà, tour prochain ce sera fait. Pas mal d'argent de côté là, on va peut-être pouvoir fonder notre ville. C'est la ville que j'attends de faire depuis un moment parce que simplement je veux qu'elle soit bien développée dès le début. On va peut-être pouvoir la faire. Allez, ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On aura bien exploré les mers. On aura bien consolidé notre île, j'ai envie de dire, hein, notre continent île. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve dans les prochains jours, dans les jours prochains jours, pour le prochain épisode. Allez, c'était Thiob. Ciao.